Bonjour mes élèves de 5e primaire. On va commencer une petite révision pour les examens. D'abord, choisis et complète. Numéro 1. Point, habitude. La réponse est Asmouha. On va choisir comment, où ou quel. On commence par où parce que c'est une place. Ensuite, numéro 2. Vas-tu au cinéma? La réponse est en taxi. Où, quel ou comment? On va choisir comment parce que c'est un moyen de transport. Numéro 3. Vas-tu? La réponse est ça va bien. Où, quel ou comment? La réponse est comment vas-tu? Ça va bien. Numéro 4. Mona et moi allons au cinéma. Alors, on doit traduire Mona et moi en pronom personnel sujet, c'est nous. Âge as-tu? A-t-elle? Elle a 13 ans. Quel ou quelle? On va choisir la première, quelle. Numéro 6. Temps fait-il? Il fait beau. Quel temps fait-il? Quel deux L ou comment fait-il? On va choisir quel temps fait-il. Ensuite, numéro 7. Mangez-vous? La réponse est au restaurant. C'est une place. Alors, on va choisir où manges-tu? Numéro 8. Mon père et toi êtes malades. On va choisir le pronom sujet vous. Vous êtes malade. Numéro 9. 2 plus 30 plus 5 égale 13, 38 ou 37. On va traduire les lettres en chiffres et puis on va trouver la réponse 37. Ensuite, 50 plus 14 égale 30, 15 ou bien 45. Non, c'est égal à 65. C'est 65. Elle un frère. AI, AS ou A. Verbe avoir, elle a. Suivante. Nous, des élèves. Êtes, sont ou sommes. On va choisir le verbe être, nous sommes. Vous, mange, ENT, mange, ES ou manger, EZ, à la cantine. On va choisir manger, EZ. Elle avec S, ma verbe faire, font, faisons ou fait. On va choisir font. Corriger les verbes. Elle avec verbe avoir. Elle a. Je avec verbe se lever. Je me lève. Tu avec verbe se promener. Tu te promène et à la fin ES. Nous, verbe faire. Nous faisons. SONS. Vous, avec verbe être. Vous êtes. N'oubliez pas l'accent circonflexe. ES à la fin. Elle, verbe s'habiller. Avec verbe du premier groupe. S'habille. A, B, I, deux L, E. Il avec S, avec verbe aller, ils vont, VONT. Vous, avec verbe se coiffer, se devient vous coiffez. Et à la fin, EZ. Je, avec verbe s'appeler, je m'appelle. Il, avec verbe s'amuser. Il s'amuse à la fin, ENT. Et on continue la dernière, la suivante. Choisis et complète. Lundi, point, mercredi, mai, mardi, mars. On va choisir lundi, mardi. Avril, point, juin. Avril, mardi, mercredi, mai. On va choisir le mois de mai. 2 plus 12 égale 14.
Dans le cartable, il y a un livre, un tableau, un bureau. On va choisir un livre. Et le cahier, la réponse est dans le cartable. On va choisir où, ou quel, ou comment. On va choisir le mot interrogatif où. Nous, un examen. Et, avons, avait. Nous allons choisir le verbe avoir, nous avons. Ensuite, vous présentez au directeur ce ou vous ou nous. On va choisir le pronom vous. Tu te coiffes, se coiffe, me coiffe avant de sortir. On va choisir le verbe te coiffe. Ensuite, 20, point, 40, 13 ou 30 ou 3. On va choisir 30. À la fin, elle mange ES, mange E, mange EZ. On va choisir le verbe mange E. Ensuite, nous, vous ou ceux où nous promenons, nous nous promenons. 12, vous avec le pronom ceux ou nous ou vous habillez. Avant de sortir, vous vous habillez. Point, vas-tu? La réponse est à l'école ou vas-tu? Ahmed et moi, on choisit le pronom sujet nous. Nous allons au cinéma. Nour et toi, nous allons choisir le pronom sujet vous. Ensuite, les enfants, écoutez EZ, écoute ENT ou écoute ONS. On va choisir écoute ENT. Habitez-vous? La réponse est à Alexandrie ou habitez-vous? Ensuite, point, vas-tu à l'école? La réponse est en bus. Où, ou quel, ou comment? Comment vas-tu à l'école? Ensuite, numéro 19, vas-tu? La réponse est à l'école. Quel, ou où? On va choisir le mot interrogatif où vas-tu? Ahmed et moi, on va choisir le pronom sujet nous. Nous allons au cinéma. Ensuite, mardi, point, jeudi, mercredi ou vendredi ou samedi, mardi, mercredi et puis jeudi. Dernière page. Allez-vous? La réponse est au cinéma. Où allez-vous? Numéro 23. Vas-tu au cinéma? La réponse est en voiture. Comment vas-tu au cinéma? T'appelles-tu? La réponse est Rami. Comment t'appelles-tu? Ensuite, sport fais-tu? Football. Quel sport fais-tu? Âge as-tu? 11 ans. Quel âge as-tu? Ensuite, on va choisir entre on et le. On se met devant les mois et les années. Et le, on l'utilise devant le jour. Je suis né mai, je suis né en mai. Il est né en 2012, il est né en 2012. Tu es né 2 juillet, tu es né le 2 juillet. Elle est née 5 août, elle est née le 5 août. Je suis né avril, je suis né en avril. Et complète par une couleur convenable. On va choisir une couleur masculin, féminin ou masculin pluriel ou féminin pluriel selon le mot choisi. Mon cartable est, on peut choisir un mot masculin singulier, bleu. Ma trousse est blanche, féminin singulier, ma trousse. Mes yeux sont masculin pluriel, on peut choisir vert, T, S à la fin. Ma bouche est rouge. Le chocolat est marron. Et maintenant, c'est fini. Merci et bonne chance.